de la cinématographie, ce collègue. Nous avons aussi le directeur du FOPICA ici, Abdulaziz Cissé. Évidemment, je n'oublie pas Matar, décédé. Et vraiment, je vous remercie de votre présence, ainsi que vous tous ici, messieurs, dames de la presse. Les étudiants qui sont là, des partenaires comme monsieur Oumar Sall ici, avec qui nous avons entamé une longue route. Et donc, je tiens à souligner aussi l'existence et la persistance de Hub Court Métrage avec qui nous sommes partenaires. Il y a beaucoup d'autres initiatives avec lesquelles nous sommes partenaires. Je pense que nous vivons un moment où il y a un certain nombre d'initiatives pour que il y ait une plus grande indépendance de la culture cinématographique, je dirais sur tout le continent et particulièrement au Sénégal. Il n'est pas... Ce que nous essayons de faire ici est vraiment destiné à la jeunesse. Il n'est plus acceptable aujourd'hui que les films, l'existence des films, soit corrélée au bon vouloir ou à la curiosité ou à l'intérêt hors des frontières, en quelque sorte. C'est bien, je suis moi-même issu d'un dialogue interculturel. C'est une bonne chose, mais il est absolument indispensable d'avoir une certaine indépendance dans la possibilité d'existence des films. C'est ce sur quoi nous travaillons. Il est vraiment nécessaire que pour les jeunes Sénégalais et autres, parce que le centre Yenenga est bien sûr un centre aussi ouvert à toute la sous-région. Donc nous avons la chance, parmi nos étudiants qui sont aujourd'hui 28, d'avoir aussi des représentants du Bénin, du Mali, du Mauritanie, Burkina Faso et RDC. Bon, la post-production, j'y reviens pas trop longtemps. Je vais essayer d'être très court, hein, mais c'est quelque chose qui est un peu méconnu, qui est ce qui vient après les tournages et qui est extrêmement important parce que ça détermine l'écriture des films. C'est très important que nous puissions avoir non seulement les outils et les techniciens qui permettent de pouvoir enfin faire un film de A à Z, non seulement au Sénégal, mais dans toute la sous-région. C'est vraiment une question, j'allais dire, d'indépendance culturelle. Vous savez à quel point la culture est quelque chose d'extrêmement important dans la représentation de soi-même, dans la dignité qu'on peut avoir de soi. C'est dans cette optique-là que nous avons ouvert ce centre, qui est à son début. Donc nous sommes très heureux de pouvoir aujourd'hui, par le biais de cette journée de porte ouverte, vous montrer un peu où nous en sommes, nos installations. Les étudiants vont eux-mêmes vous expliquer un petit peu ce sur quoi ils travaillent. En plus, cette journée a plutôt bien commencé puisque la pluie nous a recouverts. Et voilà, nous, c'est cette conviction-là qui nous anime. Nous avons un certain nombre de programmes, nous continuons d'être un centre socio-culturel, donc c'est quelque chose qui est ouvert aussi aux associations de la ville de Dakar. Nous travaillons à faire des projections, nous faisons ici des projections tous les vendredis, tous les mercredis, qui sont gratuites et ouvertes. Nous faisons des ateliers aussi de cinéma avec les enfants. Il est important de les sensibiliser au cinéma, à l'image, à la grammaire de l'image, parce qu'ils sont soumis tous les jours à des images toute la journée, en fait. Donc il est important de les rendre aussi conscients de la grammaire des images pour qu'ils soient plus forts face à ces torrents d'images qu'ils reçoivent tous les jours. Bref, je ne voudrais pas être trop long, je voudrais surtout vous remercier d'être là. Ensuite, ce sera... Ah, je voudrais dire une chose quand même avant de passer la parole. Je suis très fier des étudiants qui sont là et de leur travail, et je suis aussi très fier de l'équipe du centre. Je voulais juste les nommer quand même parce que c'est eux le centre. Moi, je suis un intermédiaire. Je suis là, je suis réalisateur, j'essaye de participer, je suis un trait d'union. L'important pour moi, c'est de réussir à transmettre un petit peu ce que j'ai eu la chance de recevoir pour que tout ça se développe en étant multiplié par 1000, 10 000, 100 000. Mais le centre Yenenga aujourd'hui, c'est Madame Latifa Kri,
directrice du centre municipal, c'est Fama Ndiaye qui est notre coordinatrice. Fama. C'est vous, Bakar Konaté, notre directeur financier. C'est le Oumi, notre Oumi national. Oui. Je rectifie. International. Oui. Oui, c'est M. Sidat Diallo qui est là ici. C'est que j'oublie. Sandrine Atta, évidemment, qui nous a rejoint et qui nous aide sur les relations extérieures. On a Louis Mendy, et qui est là. Maha aussi, qui s'occupe des installations techniques. Maha Bao. Et enfin, bien sûr, Farah Clémentine Dramani Sifou qui nous rejoindra cet après-midi. Merci à tous. Et nos infatigables volontaires. Nos infatigables volontaires qui sont là avec nous. Volontaires. Ce qui me rend fier de ce projet, c'est que ce n'est pas mon projet. C'est que c'est le projet de tous ces gens qui l'ont saisi et qui l'amènent beaucoup plus loin que ce que je pouvais imaginer. Nous en sommes encore au début. Nous avons besoin de vous tous pour continuer à grandir et à exister, parce qu'on sait bien que la naissance, c'est une chose, mais pour amener un enfant jusqu'à l'âge adulte, ça, c'est autre chose. Donc, merci à tous d'être présents. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le directeur de la cinématographie, monsieur l'adjoint au maire de Dakar chargé de la culture, monsieur Alain Gomis, directeur du centre Yenenga, madame la directrice du centre municipal, monsieur le directeur de la culture et du tourisme de la ville de Dakar, monsieur le directeur général du groupe Sénécap, mesdames, messieurs les acteurs du cinéma, mesdames, messieurs les invités, en vos rangs, qualités et titres respectifs. C'est un privilège pour moi de représenter le ministre de la Culture et de la Communication, M. Abdoulaye Diop Ampéché, à la cérémonie d'ouverture des journées portes ouvertes du centre Yenenga de Dakar, ce hub dédié à la formation au métier de la post-production, de la création et de la diffusion cinématographique, qui se veut une tête de pont de l'industrie cinématographique et audiovisuelle africaine. En effet, la mise en place de ce centre, créé en 2018 par le cinéaste Alain Gomis, a aussitôt eu, dès le départ, l'accompagnement du ministère de la Culture et de la Communication du Sénégal, conscient que l'avenir du projet d'industrialisation du cinéma et de l'audiovisuel sénégalais se joue à travers les enjeux de la formation, notamment au métier de la post-production, dont les acteurs de la place, pour la grande majorité, bénéficiaient jusqu'alors d'une formation sur le tas. Certes, les structures de formation qui ont commencé à émerger à partir des années 1990, à l'instar du Média Centre de Dakar, ont joué un rôle important dans la mise en place de l'écosystème, avec une première base de maîtrise de l'outil numérique qui se présentait alors sous forme de programmes comme Avid, Final Cut, Adobe, Premiere. Avec la mise en place du centre Yenenga, le Sénégal et les autres pays africains espèrent pouvoir connaître des avancées majeures dans le savoir et savoir-faire liés au montage image, à l'étalonnage, au mixage, à la masterisation, pour que les films produits puissent se présenter sous des standards broadcast. Il est certain que le centre Yenenga ambitionne de rendre le cinéma accessible à tous, afin de favoriser la création de films en Afrique, ce qui explique la gratuité de la formation pour la première promotion de 24 apprenants actuellement en cours de formation. C'est 24 ou 28? 28. Une telle démarche implique un développement de partenariats toujours plus important pour mobiliser davantage de ressources financières afin de prendre en charge les besoins liés aux conditions de vie des étudiants, mais aussi
les investissements nécessaires pour la création des infrastructures et surtout l'évolution du matériel technique pédagogique et de production. Dans ce sens, le Centre Yenenga compte déjà parmi ses partenaires, en plus du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle FOPICA, la ville de Dakar, l'Agence française de développement, la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide d'Air, FJ, le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, la Cinémathèque de Tanger, la Cinéfabrique, le Ciné-Banlieue Dakar, le Festival international de court-métrage Dakar Court et le Cinéma Rec. Ces différents partenaires, en plus du dynamisme de l'équipe dirigeante, ont permis de concrétiser le projet de HUP. Conscient des risques de déperdition académique liés à la précarité des conditions de vie des apprenants, le ministère de la Culture et de la Communication est en train d'étudier la meilleure formule pour permettre un accompagnement de la prise en charge des frais de vie des étudiants par le FOPICA. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que je déclare ouvertes les portes du Centre Yenenga pour la découverte des activités. Je vous remercie. Et je suis là depuis octobre passé pour la formation. Donc bon, déjà, je fais du montage d'images parce que j'aime voir des films et j'aime participer à la fabrication des films. Et ça se trouve que le montage d'images, c'est une étape qui se trouve beaucoup entre la fabrication des films parce que tu as une étape où tu décides de quelle image le spectateur va voir ou quelle image le spectateur ne voit pas. Donc c'est une étape où tu te trouves en tout cas entre le spectateur et la réalisation. Et c'est une étape très importante et intéressante aussi. Et aussi, il faut dire que c'est un travail technique, parce qu'on le fait à travers des machines, à travers des logiciels et tout. Mais le travail est aussi artistique, parce que c'est une autre écriture de l'histoire encore. Donc ça fait que ce n'est pas un travail si facile que ça. Ce n'est pas que combiner des séquences, c'est aussi réfléchir à comment raconter une histoire intéressante, comment raconter une histoire qui retient le spectateur. Et c'est un peu ça qui rend le travail un peu difficile. Mais on a la chance qu'ici au Centre Yenenga, l'enseignement est pratique. On apprend en faisant. On a des images, on monte des films, tu regardes si ça marche ou si ça ne marche pas. On n'écrit pas sur des cahiers, on fait comme ça, mais on pratique. C'est ça qui rend le travail intéressant. Et tu sors ici avec ta manière de faire, ta manière de raconter ton histoire. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on ne nous dit pas qu'il faut faire comme ça. Tu viens avec ta manière de faire et on t'accompagne dans ta manière de faire. Donc ça rend le travail très intéressant. Et si ce sont ces choses-là, en tout cas, qu'il faut qu'on apprenne beaucoup de choses. Et je crois qu'il y a aussi d'autres activités connexes dans le centre, la diffusion de films et tout, les rencontres avec des réalisateurs qui nous permettent aussi d'accroître notre culture cinématographique et tout. Donc bon, on apprend plein de choses ici et c'est des choses bénéfiques. Et aussi on a la possibilité, il faut le dire, de travailler sur des films parce que le centre accueille des films pour des montages, pour toute la post-production. Donc à la fin de la formation, on a la possibilité de sortir ici et dire à des gens, à des producteurs, on a travaillé sur tel film, on a travaillé sur tel film. Donc aussi, il faut dire qu'on est prêt sur le marché de l'emploi, on est employable et voilà. Merci. Merci beaucoup. Bon, mon nom c'est Banen Sir, élève en montage son et mixage. Quand je suis venue ici, je ne connaissais personne et grâce à cet homme, Alain Gomis, je suis vraiment à l'aise ici. Je suis avec une famille. J'ai débuté en 2013 avec une formation vraiment, comme on le dit, en Wolof Ouya Ouya quoi. On s'accrochait comme ça à prendre le son avec nos téléphones. On a commencé par le dérochage, comment créer des projets, comment utiliser Pro Tools. Parce qu'ici, on utilise Pro Tools. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec Adobe Audition. Et quand on est venu, on nous a montré Pro Tools, comment dérocher, comme je viens de le dire, comment faire le bout à bout, comment
monter le son, comment créer, comment traiter le son, quoi. Et maintenant, vraiment, franchement, moi, je peux monter mon propre film, je peux dire. Ouais. Je vous remercie, Banel. Et bonjour à toute l'assistance. Comme vous le constatez, je suis le doyen du groupe. Et je m'appelle Diaw Abdoulaye. Je suis dans l'audiovisuel depuis 25 ans. Et donc, quand j'ai vendu le projet, je me suis dit je vais rejoindre Alain pour participer d'abord à une formation de formateurs pour que le savoir qu'on a tiré ici puisse servir demain à d'autres générations. Donc, nous, les jeunes m'ont demandé de parler à leur nom. Et d'abord, ce qui m'a le plus impressionné, c'est que c'est une sélection internationale de divers horizons et il y a aussi un respect de la parité. Donc, chaque groupe de formation, il y a autant de filles que de garçons. Je crois que ça aussi, c'est des critères qu'on peut saluer. Bref, pour revenir maintenant à la section qui nous concerne, qui est l'adolonnage, qui est la dernière partie de la post-production, parce qu'une fois le montage image fait, le son fait, maintenant, c'est à l'adolonnage vraiment de donner âme au film. Donc, c'est là où on corrige les images pour vraiment donner satisfaction au réalisateur. Donc, pour vous donner un exemple, si vous prenez une photo avec votre appareil réflexe et que vous appliquez un filtre, vous donnez un style. Ça, on peut dire que c'est de l'adolonnage parce que vous donnez une certaine forme, une émotion à l'image que vous voulez. Donc, en gros, c'est un peu ça l'étonnage. Ça a une partie technique, mais il y a aussi une partie artistique. Et ici, au centre, nous disposons vraiment d'une station Tabenchi Resolve. C'est ce qui se fait vraiment, un outil très puissant qui est utilisé à Hollywood. Et le centre est bien occupé avec des écrans bien étalonnés. Et nous bénéficions aussi de l'appui technique de partenaires qui viennent souvent de Cinéfabrique de Lyon. Donc, il y a 8 étalonneurs, 4 garçons et 4 filles. Donc, parce que de nos jours, avec le numérique, les gens se tournent en flat, c'est-à-dire des images désaturées, décontrastées. Et maintenant, c'est au réalisateur, au moment de l'étalonnage, de donner une direction artistique à ce qu'il va faire. Donc, le centre pour ça est vraiment doté d'outils qui peuvent le faire. Il y a des unités de stockage, il y a tout ce qu'il faut. Et plus tard, lors de la visite guidée, vous pourrez vous en rendre compte. Et peut-être pour compléter, il y a 3 salles de montage avec habit. Et le son aussi, il y a autant de salles avec plus pour Pro Tools. Donc, voilà, s'il n'y a pas de questions annexes. Madame l'internationale. Juste avant, je voulais remercier M. Dao aussi présent. Il a été pour nous un symbole extrêmement fort. Et quelqu'un qui avait 20 ans d'expérience et qui, quand il a entendu parler de la formation, est venu dire j'ai besoin de cette formation académique en quelque sorte. Il y a des choses qui me manquent. Il y a des choses qui ont toujours retardé ma progression, parce que je ne les ai pas apprises, et j'ai besoin de ça. Et donc il a eu ce courage de venir, et il est devenu très important, parce qu'effectivement, il aide beaucoup. C'est-à-dire que les étudiants s'organisent ensemble aussi, s'entraident. Et jusqu'à aujourd'hui, et pendant encore un an, nous allons avoir des gens qui viennent de la Cinéfabrique, c'est des professionnels de cinéma qui viennent les former. Hein. Ce sont des gens qui travaillent, qui travaillent dans le cinéma. Mais bien sûr, dans l'indépendance dont nous parlions tout à l'heure, c'est là aussi cette première promotion, ils deviendront aussi, c'est eux qui se redeviendront les formateurs, mais pas les formateurs au sens de professeurs, parce qu'ils vont devenir des professionnels qui vont travailler et qui vont donc transmettre. Donc voilà, je tiens vraiment à le remercier. Je pense que notre cadet ou notre cadette a quel âge? Ça et ça tout.
J'ai 21 ans. Et donc, nous avons notre doyen là. Et donc, voilà, je voulais le remercier. Et remercier les étudiants pour ceux qui sont en train de créer. C'est eux-mêmes qui vont devenir les formateurs à terme.